Et bonsoir et bienvenue à tous. Maxime Duguay avec vous dans votre Ligue de hockey sports pour la présentation de ce soir de deux matchs. On va tenir compagnie pendant le confinement. Pendant aussi... En même temps, je voudrais vous souhaiter une très bonne année à tous. La santé surtout pour 2021. Et on souhaite tous que cette pandémie se termine évidemment. Nous, on est là pour les séries de la Coupe Stanley, la Ligue de hockey et sports ce soir. Maxime Duguay avec vous en ce samedi soir pour le match qui oppose le Mufasa de New York aux Whalers d'Hartford, le match numéro 4, alors que les Whalers mènent la série 2 à 1. Et on va aller voir l'état des forces du côté des visiteurs. New York qui rend visite aux Whalers d'Hartford pour ce match. On va voir l'état des forces du côté du Mufasa de New York. On a Alexander Radulov, Evgeny Malkin, Vladimir Tarasenko, Philippe Forsberg, Austin Matthews, Toivo Teravainen, Max Pacioretty, Jack Eichel, Thomas Tatar, Cam Atkinson, Nico Hischier et Anthony Manta. Et en défense, on a Ryan McDonagh, Piqué Subban, Jeff Petrie est là, Rasmus Dahlin, Mikhail Sergachev et Christopher Tanev. Et dans les buts, c'est très surprenant, Tukaras qui est là ce soir. Et du côté des visiteurs maintenant. Des receveurs maintenant. Du côté des Whalers Hartford, on a Mika Zibanejad, Vincent Trocheck, Zach Parise, Nazem Kadri, Adam Henrik, Evander Kane, Tyler Johnson, Philippe Dano, Kyle Turris, Sonny Milano, Ryan Kessler et Brian Little. Et en défense, on a Miro Iskainen, Noah Neffin, Ivan Provorov, Brady Shea, Oscar Klefbom et Donald Nurse. Et dans les buts, le très surprenant Antti Ranta est là ce soir pour défendre la cage de nos underdogs en chef, les Whalers d'Hartford. Trouveront-ils encore la surprise dans le match numéro 4? C'est ce qu'on va savoir sous peu. Je vous rappelle que pour les séries, le niveau de difficulté est à Superstar. La durée 5 minutes. Chaque période, on se dirige à Hartford. Pour la description du match, une bonne soirée de hockey à tous pour la Ligue de hockey Sports. Et au Access Arena de Hartford, une belle confrontation dans les buts. Alors, Antti Ranta avec deux victoires, une défaite, une moyenne de but 1.83, un jeu blanc surprenant dans son cas, va affronter Tukaras avec une victoire, deux défaites, une moyenne de 2.21. Et c'est la mise en jeu. Bon match à tous, c'est Malkin contre Trocheck à la mise en jeu. Et c'est Malkin qui l'emporte. Passe avec le patin à Subban. En zone centrale, on rentre en zone des Whalers, la passe. Ça glisse, Radulov récupère. Un tir, l'arrêt de Ranta là-dessus. Une mise en jeu en territoire des Whalers. C'est Malkin contre Trocheck. La mise en jeu 19-17 à faire. Et Malkin l'emporte. À McDonagh, tente la passe. Il y a eu interception. Ils ont des comptes. En échappé. On tire. Très bel arrêt de Rask là-dessus. Zibanejad reprend. Tente la passe. Malkin intercepte. Remet Tarasenko au centre. On rentre en zone des Whalers. Tarasenko tire. L'arrêt de Ranta. Ils ont conscience. On ne prend pas de chance. C'est Radulov qui est le meneur en point du côté du Mufasa avec deux buts, deux passes. C'est maintenant Matthews contre Henrik à la mise en jeu. Matthews l'emporte. Forsberg glisse au filet, tire. Il y a un bel arrêt de Ranta là-dessus. En défense, on bloque. C'est Dahlin à Forsberg. À Teravainen qui tire. Un autre arrêt de Ranta là-dessus. Et New York qui veut capitaliser très tôt. Ça nous mène à 17-27. Henry contre Matthews à la mise en jeu. C'est Matthews qui l'emporte. Teravainen à Petrie qui tire. L'arrêt de Ranta. Il n'y aura pas de retour.
Je vous rappelle que le gagnant de cette série affrontera les Red Wings de Détroit. C'est Matthews. C'est Henry qui l'emporte. Là, c'est les Whalers. En zone de New York. La passe à Henrik. On a tenté une autre passe pour un autre coup de pied, mais ça a été intercepté par Petrie. Maintenant, on contre-attaque. En zone de Hartford. Adaline. À Petrie qui tire. L'arrêt de Ranta. Et dans la division sud, comme je le disais, les gagnants de cette série rencontreront les Red Wings de Détroit en finale de la division. C'est Henry qui remporte la mise en jeu maintenant. Les Whalers au centre. On rentre en zone de New York. La bataille le long de la rampe. Récupération de New York. C'est Eichel maintenant au centre. Vers le 10, mais Romain Petrie qui se fait plaquer. Récupération de Hartford. Chez à Provorov. On rentre en zone de New York. Provorov. La passe à Henry qui tire. L'arrêt de Rask là-dessus malgré beaucoup de circulation. Là, c'est Ischier contre Dano à la mise en jeu. 14-12 à faire en première. Et c'est Dano qui l'emporte. Un tir en défense. C'est bloqué par Adkitson. Mais la rondelle glisse à Dano. Maintenant pour Johnson. Il a tenté une passe pour Turris. Mais Turris reprend. Romain Dano à Johnson qui tire. L'arrêt de Rask là-dessus. Maintenant New York reprend dans le coin. C'est Sergachev. Jusqu'au centre. Dégage. Dans le fond de la zone des Whalers. Récupéré par Clefbaum. Il remet pour Turris. Anders. Pour Dano maintenant. En zone centrale. Dano. Le long de la rampe. Mise en échec. Le long de la rampe. Tanev récupère. Passe à Atkinson en zone centrale. Mais qui est maintenant en zone des Whalers. Le long de la rampe. Dans le coin. Est plaqué. Clefbaum tente la passe. Mais Ischier intercepte. Remet pour Tanev. Maintenant à Atkinson. À Tanev. À Ischier, qui tente la passe en zone centrale. La rondelle ne trouve pas preneur. Et c'est Dano maintenant qui contre-attaque. Recule un peu. Remet avec Clefbaum. Maintenant pour Milano. Milano. Coupe au filet. Un tir. C'est dévié par un défenseur. Tanev récupère. La rondelle sort de la zone. C'est Kessler qui récupère. Remet à Johnson. On rentre en zone de New York. À Iskainen. À Milano qui tire le but. Et c'est Sonny Milano qui marque. Et les Whalers. Ils s'inscrivent au pointage. C'est 1-0. He's tight to the net. He doesn't have much time. And that snapshot beats the goaltender from the low slot. Et Milano qui marque et les partisans sont en liesse ici au Access Arena. Et pour Hartford, Milano son premier. Les passes à Iskainen et Johnson. C'est Trocheck qui remporte la mise en jeu. Iskainen au centre. Maintenant c'est Malkin qui récupère en zone centrale. Malkin. La passe à Subban, à Tarasenko, à Radulov, au McDonough. À Radulov, on tente la passe, c'est intercepté. Zibanejad en profite, décampe jusqu'au en zone centrale, mais Tarasenko récupère le disque, remet à Malkin, à McDonough, et Radulov tente de tirer. Il est ennuyé par un joueur des Whalers. Maintenant, c'est Malkin, tente de récupérer, perd le disque, Trocheck le récupère. La Trocheck, contre-attaque, un tir, l'arrêt de Rask, dans le coin, McDonough, pour Forsberg, à Radu, la passe à McDonough, maintenant pour Malkin, à Forsberg. Forsberg perd le disque au profit d'un défenseur. Remet pour Zibanejad qui passe par la rampe. Pour Trocheck. En contre-attaque, fait la passe, mais ça a manqué. C'est Matthews maintenant en échappé. Un tir de but. Et c'est Austin Matthews qui égalise. Sur tout un jeu. Et Matthews marque et passe là-dessus à Radulov et McDonough. Et on égalise la marque. Et on voit un très beau but, tire des poignets. Et Ranta n'y pouvait rien là-dessus, mesdames et messieurs. Et c'est 1-1. À 6-4 qui reste à faire en première. Le but de Matthews, la passe de Radulov et McDonough. C'est ce qui met la marque à 1-1 dans ce match.
numéro 4. Maintenant, c'est Matthews. Ils sont enlevés le disque. Milano. En zone centrale. Maintenant, en zone de New York. Milano, une petite feinte. Un autre tir. L'arrêt de Ranta là-dessus. L'arrêt de Rask, excusez. Maintenant, c'est Teravainen. Perd le disque. Il y aura jeu de puissance du côté des Oilers. On a pêché du côté de New York. C'est Teravainen qui perd le disque. Et prend le pénalité pour avoir fait trébucher. Ce sera Kadri Turris-Johnson contre Eichel et Ishier. C'est Eichel qui l'emporte. Dallin, vraiment défenseur qui dégage. 4.35 à faire en première. 1.40 au jeu de puissance. Hartford maintenant en zone de New York. La passe à Johnson. À Clefbaum. À Johnson qui tire. L'arrêt de Rask là-dessus. Toujours Matthews contre Kessler, mise en jeu 1.26 à faire au jeu de puissance des Whalers. C'est Matthews qui l'emporte, mais les Whalers font un tir. On a un arrêt de Rask là-dessus. Le défenseur prend le disque et dégage dans le fond de la zone. Récupération, c'est Zibanejad. Il reste 1:05 au jeu de puissance. Là, c'est Zibanejad à Kessler. On rentre en zone de New York, à Parisé. À Zibanejad. On tente la passe pour Parisé. Ça glisse vers le défenseur, mais de New York, ben, un joueur de Hartford a remis la pointe. Il y en a eu un très bel arrêt de Tukarask là-dessus. secondes au jeu de puissance, 3.38 à faire. C'est Kessler qui l'emporte. À Kane, à Zibanejad. On tente la passe, mais ça a dévié. Maintenant, c'est Eichel. Dégagement jusqu'en zone centrale. Kane reprend. À Zibanejad. À Kane, pour Parisé maintenant, en zone de New York. À Kane, qui tire l'arrêt de Rask là-dessus. Il n'y aura pas de retour. Et Subban prend le disque et dégage dans le fond de la zone. C'est Lidl qui récupère. 8 secondes au jeu de puissance. Mais McDonough intercepte la passe. Tente un tir, ça rate le filet. Et on est rendu de retour à force égale. Là, c'est McDonough. À Matthews en zone des Warriors. À Force Bell. À McDonough. Pour Subban. À McDonough. Il se déplace, fait un tir. L'arrêt de Ranta là-dessus. Maintenant, c'est Turris en zone de New York. Un tir. L'arrêt de Rask. Turris reprend son retour. À Clefbaum. À Johnson qui se fait plaquer. Le joueur des Rangers perd le disque. Le joueur du Mufasa perd le disque. Et maintenant, c'est Hartford qui rentre en zone de New York. Tente une passe à dévier. Matthews en profite. On contre-attaque. Le long de la ronde. Matthews. La passe arrière à Subban. À Matthews. Un tir. L'arrêt de Ranta là-dessus. Maintenant, c'est Turris. En zone de New York. La passe à Kadri qui tire. L'arrêt de Rask là-dessus. McDonough tente de faire la passe. Perd le disque. Ça a donné un autre tir sur le gardien là-dessus. Et après 20 minutes de jeu au Access Arena à Hartford, c'est l'égalité. On a tout un match dans le match numéro 4. Au retour, la deuxième. Restez là. As both teams get a breather, so will we. We'll take a quick pause for the cause. C'est Malkin contre Trocheck à la mise en jeu. Bonne deuxième à tous, c'est 1-1. Malkin l'emporte à McDonough. McDonough faufile, rentre en zone des Warriors. La passe à Subban, à Tarasenko, à Malkin. La tentative, on passe, le Paris est intercepté. C'était pour Zibanejad, maintenant récupération, c'est Radulov qui se fait plaquer. À Nefil, à Iskainen, en zone centrale, à Zibanejad, on rentre en zone de New York. Zibanejad, à Parisé, tout près de la ligne bleue, le long de la rampe. Maintenant Iskainen, on a un tir, le trop, check, ça rate le filet, Radulov en profite. Remet à Tarasenko, en zone des Whalers, le long de la rampe. Tente la passe en zone centrale, ça ne marche pas. McDonough récupère, remet pour Radulov.
à Malkin, hein, qui tente un tir, c'est bloqué. Mais Tarasenko récupère à Subban, à Malkin. Malkin, Subban. Malkin tente une autre passe, et c'est Parisé qui intercepte là-dessus. Parisé en zone centrale. Donc la passe a été interceptée par Dalin, qui tente de remettre à son coup de pied. Mais c'est Anéfin. Quelle rondelle. On rentre en zone de New York. Anéfin. Un tir. L'arrêt de Rask là-dessus. Tarasenko tente de sortir, mais la rondelle tombe sur le bâton de Kane. Il y a un jeu retardement. Maintenant, c'est Matthews. À Teravainen. En zone des Whalers. Une feinte. Un tir. L'arrêt de Ranta là-dessus. Teravainen récupère. La passe à Dalin. À Forsberg. Le long de la rampe. Ça se bataille pour le 10. Récupération. C'est Kadri. Du côté de Hartford. On est maintenant en zone de New York. Kadri. Contourne le filet. Cherche quelqu'un qui fait la passe. Passe arrière. Le Matthews intercepte. Remet à Tatar. À Petrie. Et maintenant Teravainen en zone centrale. Le long de la rampe. Maintenant en zone des Whalers. On tente un tir. Qui est devenu un tir faible. Et Ranta ne prend pas de chance sur le jeu. Maintenant, c'est Dano contre Eichel, la mise en jeu. 12-41 à faire en deuxième, toujours 1-1. C'est Eichel qui l'emporte. Atanev qui tire, c'est bloqué en défense. Turris maintenant. Il se fait enlever 10 par Pacioretty. Eichel en profite. Remet à Sergachev. La rondelle maintenant pour Tanev à Pacioretty. À Sergachev, à Tatar, à Eichel, Pacioretty tire. L'arrêt de Ranta là-dessus. Wow! C'est Eichel contre Dano toujours. 11-4 du côté des mises en jeu du côté de New York là, jusqu'à présent. Dano l'emporte. C'est maintenant Nurse. À Johnson. En zone centrale. Johnson rentre en zone de New York. Johnson passe arrière avec le bob. Et c'était pour Kessler, mais tout carasque. Fait l'arrêt là-dessus sur un tir faible qui était une passe à l'origine. Maintenant, c'est Kessler contre Ischier à la mise en jeu. 10-48 à faire en deuxième. Toujours l'égalité 1-1. Et maintenant, c'est New York dégage dans le fond de la zone des Whalers. C'est repris par Nurse. Qui tente la passe à Clefbaum, mais Manta récupère le disque. Et tire le but! Et Anthony Manta. On en profite. On joue mollement du côté des Whalers. Et Anthony Manta profite. À 10 minutes en deuxième. C'est 2-1 pour New York. On va jouer mollement. Kessler n'a pas pris la passe de son coéquipier. Et Manta est venu. Et Manta est venu tout près. Il volait le disque et a attendu le moment propice pour tirer. On ne couvrait pas toute l'angle du côté du poteau, du côté de Ranta. Et Manta en profite sans aide. Et la rondelle s'en va chez les spectateurs. 9-47 à faire en deuxième. C'est 2-1 New York. Grâce à Anthony Manta là-dessus. Et c'est Ischier contre Kessler, la mise en jeu. C'est New York qui l'emporte. Ischier a remporté la mise en jeu. Lui-même transporte le disque dans le fond de la zone. Là, c'est Milano qui récupère du côté de Hartford. Remet pour Kessler. Kessler à Milano. Milano. Allez, l'autre qui tente un tir. Ça a été dévié par un défenseur. Atkinson le reprend. Remet justement à Manta pour Ischier. Ischier en zone des Whalers. Cherche quelqu'un qui fait la passe. À Dalin. On tente la passe, mais Shea récupère le disque. Maintenant, en zone centrale. À Kessler. À Kane, qui tire. L'arrêt de Rask là-dessus. Petrie remet à Atkinson. Qui lui-même remet à Manta. En zone des Whalers, on tente une autre passe, mais Kadri intercepte. Remet à Kane. Maintenant pour Henrik. Pour Kane. Il fait une feinte, mais Dalin ne mord pas. La rondelle des patins d'Alin. Kadri récupère le disque. Il y aura une pénalité sur le jeu.
Avec Dalin. Pour bâton élevé là-dessus. Et c'est cadré Terry, c'est Johnson du côté des Whalers contre Eichel et Ischier. Jeu de puissance des Whalers. Cadré maintenant à Kane. Azim Banejad. Johnson tente la passe arrière. Il n'a pas trouvé preneur. Subban intercepte, dégage dans le fond de la zone. Là, c'est Zibanejad. Quand la passe, ça ne fonctionne pas. Non, c'est Zibanejad, la touriste. En zone de New York, on tente la passe, mais Eichel intercepte. Dégage dans le fond de la zone. On va rester 1 minute 15 au jeu de puissance. Là, c'est lui, Pierre-Marc. Non, c'est Parisé. La passe à Trocheck, à Kessler qui tire l'arrêt de Rask. Maintenant, c'est McDonald. Il dégage dans le fond de la zone des Whalers. Il va rester 50 secondes au jeu de puissance. Les Whalers dans leur zone. Lilo à Trocheck. Maintenant, zone de New York. Parisé. Tente un tir. Ça a manqué le filet là-dessus. Maintenant, les Whalers récupèrent dans leur zone. Plus de 30 secondes au jeu de puissance. Kessler à Trocheck. Avec une feinte, un tir. L'arrêt de Rask là-dessus. Et on conserve. Prend pas le retour. Salut Pierre-Marc, ça va bien? Salut Marc. Salut à tous qui regardent. Je sais que Diab pourrait regarder aussi, mais c'est sûr que je ne le verrai pas. Maintenant, Sergachev prend le disque. Il reste 5 secondes au jeu de puissance. Et on va retomber à force égale dès maintenant. Maintenant, en zone centrale, Johnson. En zone de New York, à Kadri, qui tire l'arrêt de reste là-dessus. Et il conserve. The game will continue at even strength. Hartford's had plenty of good looks. C'est Matthews contre Dano. 3:48 à faire en deuxième. C'est 2-1 New York. Et c'est les Whalers qui l'ont emporté. Iskainen à Dano qui tire l'arrêt de race là-dessus. Tera Vainen récupère. Remet pour Petrie. À Forsberg en zone centrale. Forsberg en territoire des Whalers. La passe à Petrie qui tire l'arrêt de Ranta là-dessus. Il n'y aura pas de retour. C'était direct entre les deux cercles à bout portant. Un arrêt clé, comme on pourrait dire. The Whalers have had their chances, but they still trail late in the second. Play resumes as they win. Le Malkin l'emporte. Adaline, à Tarasenko qui tire, c'est bloqué en défense par les Skyden. Maintenant, c'est Turris qui décompte. En zone de New York, la passe à Johnson. Johnson tire. L'arrêt de Tukaras qui est là-dessus. Et je vous rappelle, après ce match, il y aura diffusion du prochain match. Le match numéro 5, tout de suite après ce match-là. Avec une brève intermission entre les deux. Et l'équipe qui remportera cette série va avoir l'honneur d'affronter les Red Wings de Détroit en finale de la division au sud. Maintenant, c'est Petrie à Malkin pour Tarasenko. Tarasenko, à Radulov qui tire l'arrêt de Ranta là-dessus. Il reste 58.3 secondes à faire. On est dans la demi-finale, Pierre-Marc. Après ça, ça va aller très vite. Maintenant, c'est Clef Bob. Azim Banejad. Ça fait quand même du très bon hockey à regarder, par contre. Ancien Nurse, avec Clefbaum, Azim Banejad. Azim Banejad, circule. Et maintenant Radulov prend le disque, il a été échappé. Maintenant à Malkin, à Radulov. Et la période va se terminer là-dessus. Il y a près deux périodes de jeu au Axis Arena. New York a pris les devants grâce à Anthony Manta par la marque de 2-1. Au retour, la troisième. C'est Malkin contre Trocheck pour commencer la période. Bonne troisième à tous. Trocheck l'emporte. Iskainen maintenant, Parisé. Qui recule un peu. Remet pour Trocheck.
qui est plaqué le long de la rampe. Mathieu Ocheck contourne maintenant le filet avec le disque. Passe à Iskainen pour un effet. Azimbanejad. On fait circuler le disque. Trocheck à Parisé pour un effet. Il se déplace. Un tir. L'arrêt de Tukaras là-dessus. C'est toujours Malkin contre Trocheck. 18-29 à faire en troisième. C'est Trocheck qui l'emporte grâce à Azimbanejad. Azimbanejad. De la défense. Un tir de Parisé, ça a été bloqué par le défenseur. Maintenant, c'est Trocheck. Tente un tir. Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs. Maintenant, c'est Malkin contre Henrik à la mise en jeu. 17-44 à faire en troisième. Henrik l'emporte. Kane, maintenant, tente la passe. Sadivi, New York reprend possession. C'est Radulov maintenant en zone des Raiders. Radulov tire, l'arrêt de Ranta là-dessus. Et la rondelle bondissait. Hartford's been the better team, but not necessarily boasting the better goaltender trailing early in the third. Et New York l'emporte. Dahlin à Teravainen. Maintenant Petrie à Forsberg. Matthews à Dahlin. À Teravainen pour Dahlin. À Matthews. On remet pour Petrie. À Dahlin. À Matthews. On tente un tir. C'est bloqué en défense. Matthews maintenant tire. On a un bel arrêt de Ranta là-dessus. Dans le coin. Matthews récupère le disque. La rondelle glisse au centre. On le voit tous revenir. Petrie recule un peu. Remet pour Teravainen en zone centrale. Pour Matthews maintenant. Et Matthews est accroché. Il y aura pénalité du côté des Whalers. C'est Henrik qui a tiré le bâton trop long. Il a fait trébucher. Et ce sera jeu de puissance pour le Mufasa. En profiter pour enfoncer le clou, comme on dit. C'est Ischier. Maintenant, Eichel tire. Très bel arrêt de Ranta là-dessus. Et là, on glisse tout doucement. Et on en profite, on conserve. Et Malkin, Tarasenko et Matthews pour le Mufasa contre Kadri Hitoris. Le Kadri l'emporte. Et Shea dégage dans la zone de New York. Et Forsberg récupère. 1.25 à faire au jeu de puissance. Forsberg à Matthews qui tire l'arrêt de Ranta. Récupération, c'est Atkinson dans le coin. La passe à Tarasenko. On tente une autre passe, mais Kadri intercepte et dégage dans le fond de la zone. En récupération, c'est Atkinson. Il va rester une minute au jeu de puissance. Maintenant, Matthews. À Malkin en zone centrale. On rentre dans la zone. À Matthews. À Forsberg. À Matthews qui tire. C'est Nurse qui est tenté de dégager. Forsberg bloque. Et conserve le disque. Maintenant, la passe à Atkinson qui était rendu en zone centrale. On recule et on pénètre en zone. Le long de la rampe. Il est plaqué. Shea prend le disque. Il dégage dans le fond de la zone. 15 secondes à faire au jeu de puissance. Tarasenko à Matthews. En zone centrale, on rentre en zone des Whalers. Matthews tente une passe, mais en effet, l'intercepte. La rondelle glisse jusqu'au centre. Et on est de retour à force égale. On a le coup du côté des Whalers. Maintenant, c'est Provorov à Henrik. En zone centrale, on rentre en zone de New York, de long de la rampe. Henrik, la passe à Provorov qui tire. Le Red reste là-dessus. Maintenant, c'est Trocheck contre Eichel. 12-21 à faire en troisième. Toujours 2-1 pour New York. Trocheck l'emporte. Haché. Azimbanejad qui tire et compte. Et on vient créer l'égalité, mesdames et messieurs. Azimbanejad. Les passes hachées. Trocheck sur la mise en jeu. He can't see it, so he drops into the butterfly and hopes it hits him. Il y a même eu passe avec le patin pour remise au défenseur.
c'est le but des Whalers pour créer l'égalité. C'est Zibanejad, les passes chercher et Trocheck. C'est maintenant 2 à 2. Là, c'est Eichel qui l'emporte à Tatar. Ça prend un but. Tatar fait une feinte à Subban. À Tatar, on la rampe. Eichel qui tire l'arrêt de Ranta là-dessus. Chez récupère. À Trocheck, à Provorov pour Parisé. En zone de New York. Ils vont se faire voler 10 par Tatar. Qui met pour Pacioretty en zone centrale. À Tatar. La passe de Pacioretty, mais il perd le 10. Provorov en profite. Remet pour Parisé. Azim Banejal en zone centrale. À Trocheck. Qui tire. C'est bloqué par un défenseur. Eichel remet pour McDonough. Il perd le 10. Et un défenseur des Warriors tire, mais c'est l'arrêt de Rask là-dessus. Et c'est 2 à 2. On a réveillé la foule ici. Là. Et c'est 9 minutes 44 à faire en troisième. 2-2. Et Kessler l'emporte. À Klefbom. Tente un tir, c'est bloqué par ce même Kessler. Milano remet pour Kessler. À Milano. À Klefbom qui remet pour Milano. À Lilo. À Milano. Derrière le filet. La passe à Lilo. Milano tente la passe en zone. Au centre, mais c'est intercepté par Manta. En zone des Whalers, Manta tire l'arrêt de Ranta. Nurse derrière le filet, récupère. Remet à Milano en zone centrale. Maintenant, on rentre en zone de New York. Milano, le long de la rampe, à Nurse. Passe centrale à Kessler. Et on tire l'arrêt de Rask là-dessus. Et Manta a déjà un but ce soir. Maintenant, c'est Matthews contre Henrik. 17-17 du côté des mises en jeu gagnées. Et c'est Matthews qui l'emporte grâce à Sergachev. Et c'est Matthews, là, à Forsberg. À Matthews, qui tire l'arrêt de Ranta là-dessus. Et Matthews l'enlève au défenseur. La rondelle était derrière le filet. Et Skinen reprend le disque. Remet pour Kane. En zone centrale. Non, en zone de New York. Henrik, un tir. L'arrêt de Rask là-dessus. Et le défenseur veillait au grain, sinon il aurait pu avoir retour. Là, c'était Ravainen. Tente la passe, mais Iskainen intercepte, remet à Kane. Maintenant, c'est Anefin qui tire. C'est bloqué en défense. C'est Ravainen maintenant. Il récupère le disque. En zone centrale. En zone des Whalers. On tente la passe, mais ça a été intercepté. Maintenant, c'est Kadri. Azimbanejad. À Iskainen, pour Zibanejad, long de la rampe. À Iskainen, à Kadri qui tire, l'arrêt de Rask là-dessus. Et en défense, on fait la passe à Teravainen qui est en zone centrale. En zone des Whalers maintenant, Teravainen. À Tarasenko. À Teravainen qui tire, c'est un autre tir. Très bel arrêt de Ranta là-dessus. Le premier a été bloqué par un défenseur des Whalers. Et 2:38 à faire en troisième, c'est 2 à 2. Et Malkin gagne la mise en jeu à McDonough. Qui tire l'arrêt de Ranta là-dessus. Maintenant, Malkin contre Dano, 2 minutes 16 à faire en troisième. Malkin l'emporte à McDonough, à Subban qui fait glisser à Tarasenko pour Radulov, à Tarasenko qui tire l'arrêt. Et Dano donne un coup de main à son gardien, remet à Johnson maintenant pour Turris. À Johnson, on rentre en zone de New York. C'était pour Dano, c'était bloqué en défense du côté de New York. Subban la passe en zone centrale et c'est Klefbom qui intercepte. Ça fait lui-même enlever la rondelle par Tarasenko. Et c'était une passe à Eichel, il a tiré, ça manquait le filet de peu. Et maintenant, Hartford en zone de New York. Nurse à Dano qui tire l'arrêt de Rask. Dano tente de rejoindre un petit défenseur. Il y a un tir, c'est bloqué en défense. Turris récupère le 10, le garde en vie. Remarque Klefbom. À Turris maintenant un tir. Dano prend retour, remarque! Et Dano réussit à marquer à 19-26. The puck
in front of the net. The goalie's at your mercy, and he does not miss. Et c'est 3-2. The Whalers come up with a big goal here in the third. There's a difference between sitting back and... Et Dano réussit à marquer. Il reste 30 secondes de Turris et Clefbaum. Maintenant, New York remporte la mise en jeu. C'est Petrie. Remet à Dalin. Le gardien s'en va tout de suite au banc. Le tout pour le tout du côté de New York. Et maintenant, Parisé, en zone de New York, la passe arrière à Provorov, qui tente de tirer, bloqué par Montant. 16 secondes qui restent. Malkin maintenant. Atkinson. Le tout pour le tout. Dégagement dans le fond de la zone. Récupération, c'est Shea. À Trocheck, 7 secondes. Trocheck tire et marque. C'est 4-2 pour les Whalers. Trocheck qui complète dans un filet désert. Il reste 3.6 secondes et 4-2 les Whalers. Le but est écrit et inscrit par Trocheck avec une passe de Shea. C'est Provorov à Kessler. Et le match se termine là-dessus. Une victoire des Whalers qui ont été très opportunistes dans ce match grâce à Philippe Dano qui a marqué dans la dernière minute de jeu. Et les Whalers en rajoutent un dans un filet désert pour prendre les devants dans cette série. Par la marque de 3 victoires, une défaite. Et Maxime Duguay qui était avec vous. Maintenant, voici le choix des 3 étoiles. La 3e étoile, Brady Shea avec 2 passes ce soir. La 2e étoile avec Philippe Dano pour 1 but. Et la 1ère étoile à Vincent Trocheck avec 1 but et 1 passe. Pour les statistiques, voici les résumés des tirs. Hartford 11 en première, 8 en deuxième, 11 en troisième pour un total de 30 lancés. Sur la cage de Toukarask, le Mufasa en première en a 9, en deuxième en a eu 4 et en troisième en a 11 pour un total de 24 sur la cage de Antiranta. Résumé des buts, Hartford en a 1 en première, aucun en deuxième et 3 buts en troisième pour un total de 4. Le Mufasa en a 1 en première, 1 en deuxième et aucun en troisième pour un total de 2 tirs. Alors le Mufasa qui se rendait à Hartford pour disputer le match numéro 4 de leur série respective. Et avec un match serré, Hartford, plus opportuniste, réussit à marquer dans la dernière minute de jeu grâce à Philippe Dano. Et Vincent Trocheck complète dans un filet désert pour les Whalers qui l'emportent par la marque de 4-2. Les Whalers donc... Les Whalers l'emportent, mènent donc la série 3-1. C'était Maxime Duguay qui était avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se voit dans pas trop long, une demi-heure. Et c'est le match numéro 5. À tantôt.